Hey, hey, hey! Et bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode du Let's Play de Marwa, Caleb, Nabeshima et la nouvelle venue, Azenor, que vous pouvez découvrir ici, la petite fille de, de Caleb et Marwa. Ils dormaient les enfants? Ah oui, ils dorment pas. Les vampires, hein. Ils dorment jamais, ces enfants, alors que j'avais envoyé... Ah bah, Rieko. Mais Rieko, je t'avais envoyé dormir, qu'est-ce que tu me fais? Bon, Rieko, la dernière fois, on avait essayé de la caser avec... avec Caleb... avec Gaston, et ça n'a pas marché. Gaston est quand même assez compliqué comme garçon. J'ai pas tout compris ce qu'il voulait faire. Enfin, ce qu'il voulait faire. Comment il fonctionne, en fait. Parce qu'on l'a dragouillé, ça marchait bien, on l'a embrassé. Puis après, non, ça voulait plus. Donc, on sait pas trop. Mais touche pas à notre chat, toi! Contrôler les Sims. Ordonner de partir. Vas-y, fais-le dégager. Touche pas à notre chat. C'est tout ce qu'on te demande. Ah bah, il s'en va. Lol. On ne s'attaque pas à Marwa comme ça, mon monsieur. Très bien, alors, Caleb, il a remis... Ah oui, c'est vrai, il a remis son truc d'aventurier. Et moi, j'avais dit que on reprendrait les trucs de découverte. Ça va, ça gêne personne ici. Et on va se mettre à découvrir des choses. Toi, tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas... authentifier un objet ancien. Hop, un vase. Toi aussi, découvrir un objet ancien. Tac. On va les faire un peu bosser sur ce qu'ils ont découvert pendant leurs vacances. Oh là là, d'accord. Il va pas bien, lui. Hein. Caleb, t'es un peu fou, non? Non, ça va? Regardez-moi ce sérieux. Elle, elle fait ça en sous-vêtements. Lui, fait ça en tenue adaptée, au moins, tu vois. Pendant que Nabeshima est en train de faire sa life, elle court partout. C'est très bien. Tout se passe bien. Allez, découvrez-moi des belles choses bien chères, magnifiques et compagnie. Ayant eu vent de la renommée archéologique de Marwa, l'association des objets anciens lui envoie quelques objets et lui demande de l'aide de... Mais non. Elle lui promet une énorme compensation financière en échange. C'est bientôt l'anniversaire d'Azenor. On a encore eu les droits d'auteur de Caleb. Ah ouais? Mais elle a reçu des trucs? Mais ouais, mais regardez-moi ce merdier. Il y a trop de choses chez elle. C'est ça? Non, mais ouais. Non, ça c'est ce nouveau truc. Bah je sais pas, hein. De toute façon, on va le faire, donc. Tiens, on va fusionner relique de la mort, base de relique du chaos. C'est laquelle, celle-là? Pas la... pas Amso. Ouais, on va faire relique du chaos. On verra ce que ça donne. Je pense que c'est au courrier qu'on a dû recevoir tout ça. Alors, Caleb a déterminé que était authentique. Ben c'est bien, mon Calebou. Tu vas t'entraîner à l'analyse archéologique et puis tu le mettras dans l'inventaire. Ça va t'entraîner un peu. Parce que je pense qu'au niveau archéologie, ouais, t'es au niveau 8, ce qui est pas mal. Mais Marwa, elle est déjà au niveau 10, donc... Marwa, elle est parfaite hein, partout, elle a des skills, quoi qu'en programmation pêche, c'est pas trop ça encore. Hein. Mais bon, à force de jouer avec elle, je pense qu'elle sera... Elle aura des 10 partout, quoi. Alors, nous avons Azenor qui s'est réveillé. Malheureusement... Maman, elle est occupée. Bon, bah vas-y, va t'occuper de ta fille. Parce que là, ça va plus. Tu continueras d'authentifier après. Elle, t'as pas besoin d'authentifier, on sait que c'est la tienne. On sait d'où elle sort. Alors, Calebou s'occupe du plasma fruit pour améliorer... Voilà, deux récoltes. Bon, on est à la moitié du temps pour cette putain d'aspiration là, qui nous prend un temps pas possible. En même temps, on a été revenu à zéro il n'y a pas si longtemps que ça, à cause
des dramas. C'est lequel notre interdire le code d'identification par Marois. What? What? On va prendre son courrier. Ah oui, elle peut refuser qu'on lui envoie des trucs. Bon, non, attends, c'est bien. Tu vas toujours l'authentifier, hein, ma belle. Ah! Toi, t'authentifies un masque cette fois-ci. Voilà, Marois a tout pris dans la boîte aux lettres. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'as-tu eu, ma belle? Ah, on a reçu les topazes, les machins. Mais c'est quoi alors qu'on a reçu du... Je sais pas trop. Oh merde! Oh non, Nabeshima! 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 C'est une vieille chatounette. Non! Non! En même temps, c'est vrai qu'elle est là depuis un moment, quoi. Bon, Rieko, tu peux essuyer. Et tu peux dire à Pépette qu'il faut pas boire dans l'eau. Ah, tu vas lui dire avant, même. Oh non, elle est vieille! On peut pas faire des chats vampires. Moi, je suis tristesse. Bon, Marois l'a découvert. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, elle est trop rapide. Alors, oh, et puis Azenor. Oh, mais c'est pas possible. Azenor, la couche. Bon, bah, tu le fais déjà? Babi, non, mais c'est pas Babi qu'il faut s'échanger la couche, Stan. Tu sais pas encore t'occuper de ta fille. Hein. Alors, un vase, faux vase. Ah merde! Il est faux celui-là. Bon, ça, Daichi, on s'en fout. Compétence 3, éducation. Allez, occupe-toi de la petite. Voilà. On va re-authentifier un nouveau truc. Ça n'arrête pas. On en a énormément. Ah, alors. Ça. Masque de casse en turquoise. Pas mal. Tu admires ton nouveau bien et tu le mets dans ton inventaire. Bah, il est content. Il est content d'authentifier un nouveau ancien. Hop, le prochain sur la liste. On n'a pas de préférence. Nous, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Ah ouais? Il est nauséeux. Oh, bah ça ira mieux, mon beau. Tu vas vite t'en remettre, t'inquiète. Ouais, pendant que Rieko, elle est en train de parfaire ses pouvoirs. Et tu vas lui demander de partir parce qu'on s'en fout de cette voisine. Eux, ils nous servent que à ce qu'on se... Voilà, à ce qu'on boive sur eux. Oh, je suis quand même tellement déçue pour Nabeshima. Regardez-moi, Fifi. On l'a eu toute bébé et elle est vieille maintenant. Elle peut plus faire de bébé. C'est la tristesse. C'est vraiment la tristesse. Oh là là, ouais, non plus, elle va pas bien. Bah écoute, non, ça va. Elle a pas l'air de se plaindre beaucoup. Ah, mais punaise, j'aurais mis le même ensemble. Sauf que Marois, elle a les bas avec, mais pas Rieko. Ah, ils m'ont découvert tous les deux en même temps. Alors, est authentique pour Caleb et authentique pour Marois. Mais c'est super. Caleb, il est beau, il est en or. 808. Il est rare et qualité excellente. Tu vas le mettre dans l'inventaire. Et Marois, 640. Il est insolite et excellent. Et ben, tu vas le mettre dans l'inventaire aussi. Voilà. Oh bah ils vont pas bien tous les deux. Marois, tu vas re-authentifier un objet ancien. On va faire le vase. Et Calebou, la même. Et aussi un vase. Ça, on est bien. Rieko, elle va... C'est en fait, Rieko... Voilà, je lui fais faire un peu des tours pour qu'elle augmente de points sur les voisins. Le problème, c'est que la voisine, elle a fait que rentrer, quoi. Annuler... Ouais, non, c'est pas grave. Ah mais il est dégueulasse. Vas-y, tu vas pulvériser un peu d'insecticide. Tu vas faire une méditation obscure aussi après. Non, parce que tu vas pas t'entraîner à chanter. Vampire. Voilà. Comme ça. Tu vas pouvoir augmenter tes points. Alors, le vase de Caleb est authentique. Mais qualité médiocre. Et pour Marois...
Ah bah dis donc, c'est aussi médiocre. C'est super. Ok, Caleb. Tu vas du coup remettre un objet ancien, un couteau. Et Marwa aussi. Ah, toi c'est un crâne. Ah, j'aime bien les crânes, moi. L'autre est toujours en hallucination alors que j'ai fait un peu de sport haricot. Voilà. En attendant que l'autre elle se barre parce que. Voilà quoi. Mais faire son sport en petite porte jaja, c'est logique. Niveau 9, archéologie pour Kalebu. On est bien, on est bien. J'ai hâte de voir le crâne et tout. Caleb, 8 jours. Très bien. Et Marwa, on est peut-être un chouï plus. On est à 9. Ah, elle a fait un meilleur ami pour la vie, mais lui, il n'en a pas. C'est ça le délire? Non, je veux voir Kalebu. Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, il a pas de meilleur ami pour la vie. D'accord, mais enfin, je sais pas qui est le meilleur ami pour la vie de Marwa, mais. Faudrait que je vois ça. Alors, concernant les pouvoirs de Rieko, je vais lui choisir le charme vampirique. Ouais. Je pense qu'on n'est pas encore au stade au-dessus, mais il va falloir un petit peu pour la lumière du soleil, non? C'est ouvert, c'est au-dessus, je sais plus. Résistance au soleil. Ah ouais, il faut quand même la faire bouffer. Bouffer. Faut quand même la faire bosser un peu. Création de vampire. Ouais. Force vampirique. Attraction vampirique. Ouais, allez. Zouf. On est bien comme ça. Dès que la nuit sera tombée, on va te faire un peu attaquer les gens au hasard et puis on va monter tes points. C'est formidable. Ces Sims, ils se terminent tous en même temps ce qu'ils font. Et alors, magnifique. Le crâne est juste superbe. Ah ouais, il est excellent et rare. Il est magnifique. Marwa, je suis très fière de toi. Il est authentique, évidemment. Et le couteau de Kalebu aussi, il est authentique. Mais qualité médiocre. Bon, tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas mettre dans l'inventaire. Hop! Et tout à l'heure, je voulais faire qu'elle fasse là le ça. Fusionner avec base relique du chaos. On va voir un peu ce que ça donne. Et bien sûr, maintenant qu'on a reçu les pierres, on va pouvoir voir ce que ça fait. Voilà. Attendez, là, que je m'en sorte. Ah, c'est ça. Insérer un cristal. Donc, on en a plusieurs. Déjà, j'ai envie de dire, est-ce que ça. Bénédiction des nouvelles relations. Ah, d'accord. Bénédiction des nouvelles relations. Ah, bénédiction de prise de contact accélérée. Ouais. D'accord, je vois. Et Kalebu, il en avait une aussi. Il n'a pas de cristal. Bon, ah. Si tu pouvais donner Marwa tes cristaux à ton mari, juste pour voir ce que ça fait. Tac, tac, tac. Ouais. Alors, Alexandrite, machin, tout ça, non découverte, non découverte. Ok, mais ça, c'est. Pourquoi non découverte? Franchement, je vais mettre. Allez, l'amazonite, j'en ai aucune idée. Il va mettre l'amazonite, attention. En plus, c'est la même couleur. Ça m'inspire. Qu'est-ce que ça fait? Oh, mais zut! Activer. Ah, d'accord, il faut activer. D'accord, c'est un peu. Et alors, ça fait quoi? Ah! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ça a fait? J'adore tous les objets, Nina. Mais je sais pas. Je suis, je sais pas. Bénédiction des assistances. Ah oui! Ça y est, on a notre squelette aussi. Oh, c'est un squelette un peu fat, non? Qui donc? P. Elvis Kellington, d'accord. Pelvis Skellington? Ok. Nous sommes avec un squelette, tout va bien. Bah écoute, chaleureuse, hein, on va se présenter. Salut, Pelvis.
Non, ni charmante, on va dire amusante. Oh my god. Avec le bruit et tout. Alors, et en vampire, on peut faire quoi? Contrôler les cimes et prendre une... D'accord. Oh oui, Marois, t'as plein de... Oh, c'est pas possible, ils sont tous malades. Marois, Marois, médicaments. Mais... Marois, Marois, médicaments. Oui, ma belle, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ici. Prends un médicament. Voilà. Alors, l'assistant squelette, à part se tourner... Montrer des photos de Salvador Da. Il fait des maracas avec ses côtes, c'est affreux. Et du coup, on peut faire quoi? On peut rien faire. Azenor devient une bonne amie de Caleb quand même. Ah, j'avais pas vu. Ah non, elle pleure. Oh, Caleb. Change la couche. Et nourris-la un petit peu et tu vas la bercer. Mais qu'est-ce qu'il veut, Pelvis? On va te complimenter la tenue parce que t'es vachement bien habillée, dis donc. Ok, donc on a un squelette à la maison, on est des vampires et des squelettes. Tout va bien, quoi. C'est complètement normal. Et donc, au niveau de Marois, on va lui mettre ça. Et on va fusionner. Ah non, activer. Vous avez déjà un squelette? Ah, mais ça fait que demander des squelettes, en fait. Oh, c'est dommage. Je pensais que ce serait un peu plus... Il y avait plusieurs choses à découvrir avec... à part squelette, quoi, à chaque fois. Ah, mais non, parce que je me suis trompée. Hein, c'était pas la bonne... le bon inventaire. Eh bien, c'est pas grave. Tac. Tiens, tu vas rester un cristal. Hop. Ça, tu vas fusionner avec Relique de la Mort. On sait pas trop ce que ça va donner, mais... Ah oui, il fait le ménage, d'accord. Activer sur soi. Activer sur... Ah ouais, d'accord. Et ça améliore les relations. Alors, mais ça, ça sert à quoi? Alors, oui, pause. Mais non, mais pourquoi tu bouges? Mais j'ai dit pause, s'il vous plaît. Ça, non découverte. Oh là là, c'est comment ça s'appelle? Relique de la mort de Zazatototl. D'accord, Zazatototl. Quand j'ai filé tous les trucs à Calibou, on va redonner à Marois. Moi, je vous en dis. Hein, c'est compliqué cette histoire. Zazatototl, on va insérer un cristal. Non découverte, non découverte. On va faire une alexandrite. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau couleur, ça ressemble pas trop. C'est la même? Je suis pas sûre. Oh là, je suis paumée, moi! Il y a trop de trucs! Bon, ça y est. Activer sur soi, je vais mettre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va bien voir. Alors? Oh putain! Oh non! Non! Oh putain, mais non! On a la poussière d'os. Mais on peut rien en faire. Ah, elle est remalade, quoi. Ah, j'en peux plus. Ah, il y a même le truc de son gros dégueu, là. Allez, tu vas acheter tout de suite un antidote. Là, ça va plus. Oh non, mais... C'est pas possible, hein. Elle est vouée... C'est dans combien de temps? 3 jours. Ouais, ça va. Et maudite. Mais au moins, voilà, on saura qu'on peut tuer quelqu'un comme ça à distance, hein. Oh merde. C'est pas possible. Et 3 fois qu'elle a le même truc pour mourir. Tiens,
Tu vas tout de suite avaler. Moi, je refuse que Marwa meure. Si Marwa meure, je sais pas si vous comprenez l'enjeu de ce let's play. Il ne pourra pas continuer. Oh là là. Ma belle. Ça y est? Ah, oh, punaise. Alors, manger du gâteau. Oh non, ma roi! C'est pas possible. Je suis tellement sur les fesses. Ah, ils peuvent rien faire. Oh, putain. Mais pendant 4 jours, elle va se balader en squelette. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais non, quoi. Oh non, je m'en remets pas. Mais ils peuvent pas faire crac-crac, du coup. Putain, mais non. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, les Sims? Pourquoi? Oh, j'en peux plus. Finalement, je suis pas sûre d'aimer tant que ça la jungle. Mais là, elle fait joujou, elle est contente, elle s'amuse avec. Mais lui, il rigole, mais il rigole jaune. Hein. Mais elle arrête pas de faire des conneries! Et voilà, en tout cas, c'est la même voix. Oh, c'est grisant, hein, c'est inquiétant. Mais t'as pas de ventre, Marwa, t'es morte! T'as un squelette! Oh non, mon Dieu, quoi! Bon, j'en ai marre des Sims malades, hein, j'en ai, voilà. Avec son bruit de squelette, c'est dégueulasse. Alors, il y avait un médicament encore qui traînait chez Marwa. Ah, bah, il peut se faire des bisous, bah, d'accord. Médicament, là. Tiens, Caleb. Caleb, tu vas pouvoir prendre un médicament parce que tu es malade. Tu es malade. Non mais en plus voilà quoi, elle va s'occuper de sa fille elle va voir sa mère, c'est une squelette quoi. Oh là! Mais oui mais t'as bouffé, mais... Oh, mais elle va crever? Non? Comment elle peut se nourrir si elle est... Oh là là, moi ça m'inquiète tout ça. Attendez, moi je... Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a de la bouffe partout? Elle refait des maracas. Pelvis, tu peux, s'il te plaît, faire le ménage? Tiens, tu vas envoyer ça à un bijoutier aussi. Base de relique de la mort. Oh non, mais là, franchement, j'en ai marre, moi, hein, de... J'en ai marre d'avoir les malédictions sur Marwa, là. C'est pas possible! 4 jours en squelette! Non, quoi! Mais elle peut se nourrir ou pas? Ouais, ça va un petit peu. Ok. Bon, et eh ben tu vas authentifier un objet, un masque. Caleb, tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas le mettre dans l'inventaire. Qu'est-ce que tu fais? Laisse Pelvis tranquille. Oh non, mais franchement, l'épisode, quoi. Oh là là. Non, quoi. Je suis pas d'accord. C'est devenu nawak. Tu vas authentifier un autre objet. Oh, mais... Marwa, je suis tellement dégoûtée. Oh, mais non. Oh, Marwa, c'est une bénédiction que t'as probablement ça.
Elle va pouvoir faire plus de choses, mais Norbert, regardez-moi ça, j'ai deux squelettes chez moi. C'est pas possible! Marois, arrête tes conneries! Oh! Je vous jure, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, encore un truc authentique, tu vas pouvoir le mettre dans ton inventaire. Oui, aujourd'hui, on trace, hein? Oh, et hop, elle est repartie avec ses côtes. Oh, j'en peux plus. Je n'en puis plus. Caleb, occupe-toi d'Azénor. La petite fifille. J'ai hâte de voir sa bouille aussi, elle, quand elle va grandir. Voilà. Oh. Ah non, mais je m'en remets pas, moi. Je m'en remettrai pas. Mais regardez ma belle Marois, quoi. C'en est tellement ridicule que c'en est drôle. Mais elle est encore malade. Ah non, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'envoyais Rieko chasser un peu le Sims. Voilà, elle a attaqué tout ça. Elle va attaquer lui maintenant. Empire. Provoquer une attestation. Comme ça, elle gagne un peu de points. Bon, elle a vraiment pas gagné grand-chose. Mais ouais, là, il y a du Sims. Oh, Gaston! Salut. Faire des grimaces. Ouais, vas-y, fais ta life. Partager des photos. Est-ce qu'il est un peu plus enclin? Hein? Tu peux toujours demander. Pas trop quand même, parce que s'il est célibataire, toujours. On sait jamais, sait-on jamais. Vu qu'il est là, autant en profiter. Mais elle va faire. Il est parti, le gars? Il me semble. Non, c'est lui? Ah ouais, je sais pas. Elle est partie loin, quoi. Alors, mon Dieu, ma roi de... Je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas. Je peux pas m'en remettre, je ne peux pas. D'accord, bah écoute, tu mets dans l'inventaire. Mais arrête de manger ça! Tu vas être malade! Tu peux plus manger des... Ah, il voit toujours quelqu'un. Bon, d'accord. Tu vas authentifier toujours un objet ancien, un crâne, allez. Pelvis, il viendra nettoyer. Là, il arrive déjà. Mais du coup, il reste tout le temps là, hein, Pelvis? Non, mais. Deux squelettes, quoi. Oh non, mais ça me fait triper les squelettes, mais ce qui me fait moins triper, c'est que c'est Marois en est devenue une, quoi. Là, vraiment, non, c'est pas possible. Là, je rigole moins, là. Et elle recommence. Oui, c'est sérieux. Alors? Non. Ça le saoule. Ah, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Bon, Caleb, je vais le faire discuter. Et Caleb, il a redécouvert. Ah, mais arrêtez avec vous! Tu vas admirer ton nouveau bien? Fais voir, médiocre. Ok, tu vas mettre dans l'inventaire. Ah, il en faut du médiocre, hein. Tiens, tu vas nourrir au biberon ta fifille. Pelvis et Marois sont en pleine conversation. Oh là là. Quand même. Marois, tu peux travailler, s'il te plaît, au lieu de faire tes conneries, là. À te désosser. Et ouais, non, elle continue à faire la débile. Eh, tu vas retentifier un... Ah non, mais il y en a tellement des trucs à faire. Je vous raconte pas. Bon. Allez, on bosse un peu, là, les enfants. Pelvis et Anabeshima, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, dis donc. Mais Anabeshima, ça me fait vraiment mal au cœur. Je pense que j'irai chez le veto pour la petite friandise qui rajoute. Parce que j'aime pas ça. Ah, Marois, elle a son crâne de... Mais oh! Punaise! Oh putain, lui, il a perdu sa tête. Insolite et excellent de 662. Parfait. Ma belle, tu peux manger?
Mais je pense qu'il y a un bug parce que le squelette, ils le font comme si ils mangeaient. Ouais, comme s'ils mangeaient des trucs. Ils arrêtent pas là. C'est pas possible. Y'a plus de pack de plasma chez toi? Y'a tellement de bordel. Et même c'est court encore. Et des toiles. Mais pourquoi tu les vends pas? Je comprends pas. C'est le bordel. Et c'est un cristal. Ouais, non, mais j'ai déjà eu du bordel, hein. Relique de l'observateur de Nazaza en or. Un serin cristal. Émeraude. Vas-y. On va rien activer du tout, hein, moi je vous le dis. Hein. On va boire. Et on va boire. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Non découverte. Activé sur... Alors, ouais. On va activer sur quelqu'un. Pourquoi il y a des ratons laveurs? Nathalie Dumont, tiens. On verra bien ce que ça lui fait à Nathalie Dumont. Ok! On va suivre Marma. Moi, je préfère activer sur les gens. Ah, c'est elle. Béni. Marma a offert une bénédiction à Nathalie Dumont sous la forme d'une grande quantité de simflou. C'est un bon moyen de partager sa richesse. Ah, c'est dégueulasse. Nous, on a la mort et le squelette. Elle a des sous. Pfouah. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Bon, eh ben, rentre à la maison, Marwa. Eh, mais elle va cramer. Oh, putain. Rentre à la maison, là. Mais même Gaston, il va mourir. Oh là là. Je vous jure, c'est Sims. Rentre à la maison. Voilà. Ok. On est bien. Bon, bah, Marwa, tu vas authentifier un autre objet. Si tu veux bien, là, au lieu de faire la débile... Ah, j'ai embarqué la table. Hop. Voilà. Fouf. Toi, tu vas aller pouvoir te reposer un peu. Et puis, on est bien. Pourquoi elle est comme ça, de cette couleur-là, maintenant? La tête qui tourne. Mais non, mais j'en ai marre, moi, de leur faire prendre des médicaments. Aujourd'hui, c'était la totale, quoi. Pff, franchement, et Calebou... Ok. Calebou, après, tu pourras manger. Tu mangeras toi-même, hein. T'es un grand garçon. Voilà. Et puis, moi, je vais vous laisser là-dessus, sur cet épisode un peu complètement tiré par les cheveux, n'est-ce pas, hein. Entre Nabeshima qui vieillit, le squelette pelvis... D'accord, il n'y a plus de pelvis. Mais c'est quoi cet épisode? C'est quoi? Ah, il dure pas longtemps en fait, il dure un temps et après il disparaît. Ok, je sais pas. Et Marwa qui est elle aussi devenue maintenant un squelette. Médiocre. Bon bah tu mets dans l'inventaire Calebou. Oh, mais arrête de faire l'idiote, Marwa! C'est n'importe quoi. Allez, continuez à bosser, les enfants. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. C'était vraiment mouvementé pour le coup. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain avec plaisir. Allez, je vous fais de très gros bisous. À la prochaine. Salut.